Bonjour et bienvenue à cette auto-formation en signe dehors avec le numérique. Le but de cette courte vidéo est de présenter le contenu afin de vous permettre de cibler les modules qui correspondent à vos besoins. Avant de commencer, si vous souhaitez obtenir les badges, je vous rappelle qu'il faut s'inscrire à cette auto-formation gratuite. Dans la première section de l'introduction, vous trouverez l'intention pédagogique qui vise à ce que les participants soit en mesure d'utiliser les outils numériques pour soutenir l'apprentissage et l'enseignement lors d'activités en plein air. L'auto-formation se divise en quatre modules. Les bases de l'enseignement extérieur, les trois phases d'une activité, les activités pour modéliser et des applications. On y retrouve aussi, dans la section introduction, le lien avec les domaines généraux de formation, la compétence numérique et le PFUQ. Dans le module 1, vous trouverez des informations de base sur l'enseignement extérieur. Dans la page Apprendre dans, avec et par la nature, vous retrouverez entre autres le guide d'introduction sur l'enseignement extérieur et, dans la page suivante, vous trouverez de nombreuses ressources pédagogiques pour en apprendre davantage sur l'enseignement extérieur. Dans le module 2, des outils numériques sont associés aux intentions pédagogiques reliées aux trois phases d'une activité. Toutes les pages sont faites sur le même modèle. Si j'ouvre la page de phase de réalisation, on y retrouve des outils qui correspondent aux besoins d'un enseignant, dans le cadre de son acte professionnel, puis au bas, des énoncés qui correspondent aux intentions lorsqu'il intervient avec ses élèves. En sélectionnant une feuille, vous aurez des exemples d'outils qu'il est possible d'utiliser en lien avec cette intention et une ou des stratégies qui y sont reliées. Les hyperliens mènent vers les pages que je vous présenterai dans le module 4. Dans le module 3, vous trouverez des exemples d'activités qui modélisent l'utilisation d'outils numériques dans au moins une des trois phases de l'activité. L'intention de ces activités est de suggérer des activités à toutes les ordres d'enseignement, et ce, dans plusieurs matières. Si j'ouvre, par exemple, le projet de science citoyenne, vous commencerez par voir une courte définition de qu'est-ce que qu'est bio, les liens avec au moins une intention pédagogique, les liens avec le PFEQ, puis un résumé du projet. Un logo de feuille identifie la part numérique dans l'activité. Les liens vers les documents pédagogiques se trouvent aussi tout au cours de cette description. Par la suite, dans le module 4, vous trouverez des pages avec les outils numériques qui peuvent soutenir l'apprentissage et l'enseignement extérieur. Plusieurs de ces outils sont natifs dans une tablette. Si j'ouvre par exemple appareil photo et adaptation, on y retrouve une courte description, des liens avec les intentions, au moins un exemple d'activité qui peut être fait, donc comment cet outil peut utiliser être un apport pour soutenir l'enseignement ou l'apprentissage à l'extérieur, des liens avec les différentes stratégies, et finalement un tutoriel pour nous donner plus de ressources si vous voulez utiliser cet outil. À la fin de l'auto-formation, vous aurez aussi accès au badge. Celui de découverte est attribué automatiquement au début de l'auto-formation lors de la consultation des premières pages. Pour obtenir ces derniers, vous devrez déposer un travail en suivant les instructions des pages correspondantes. Je vous souhaite une bonne exploration de cette auto-formation et n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus d'informations. Bonne exploration et découverte!